Bonsoir à tous. On va revenir à la région bruxelloise avec la mobilité qui est décidément le sujet à la une cette semaine, puisqu'après la ville de Bruxelles et le Pentagone, ce sera demain au tour de la commune de Schaerbeek d'activer une des phases du plan Good Move. On retiendra notamment que la chaussée d'Acte et la rue royale Sainte-Marie vont devenir à sens unique à partir de demain. Et on va en parler avec l'échevine de la mobilité de la commune de Schaerbeek. C'est Adelaide Bitabir qui est notre invitée. Bonjour Adelaide Bitabir. Merci d'être avec nous. D'abord une précision, hein, à Schaerbeek, le plan Good Move, il se fait en plusieurs phases, en trois phases. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas tout d'un coup ? Il y a une première phase, disons, quartier Azalée, c'était en printemps. La deuxième, c'est maintenant, c'est chaussée d'Arc Royal Sainte-Marie. La troisième, c'est côté Stephenson et Place Pavillon. Mmh. Et ben, c'est le hasard qui fait qu'on a choisi les trois phases. Et le hasard, c'est plutôt les travaux STIB, Bruxelles Mobilité, Bel'Iris. Vous savez que Schaerbeek, il y a des grands chantiers comme à la place Litz, le métro. Donc il faut prendre en considération d'autres travaux dans l'espace public. Ouais, donc vous êtes adapté au calendrier des grands travaux. Alors on va voir une carte hein, sur ce qui va se passer à partir de demain après-midi, hein, parce que ce sera à partir de 15h. Donc on voit la chaussée d'Acte qui va être en sens unique en direction du sud vers le nord, hein, donc vers la maison communale, la rue royale Sainte-Marie dans l'autre sens, et le bout de la rue Rogier qui sera également à sens unique. Ce sont des grosses perturbations et ça va être compliqué pour les Schaerbeekois, vous pensez ou pas ? C'est compliqué pour les techniciens, mais on espère ne pas avoir des grands turbations. On a un bon soutien de la police. Il y a 15 agents de police qui seront là, présents, pour bien expliquer, pour montrer comment prendre le nouveau chemin. Et voilà, donc... On verra demain comment ça se passe. On verra demain, ouais, à 3h l'après-midi, comment ça, ouais, fonctionne. Donc c'est à partir de 15h ce vendredi que ce plan est activé. Probablement que demain, peut-être pendant le week-end et surtout lundi prochain, il y aura des perturbations. Vous êtes prête à entendre des critiques, des klaxons, des gens qui vont dire que les rues sont saturées? Ça va être un petit peu compliqué quand même lundi, non? Je peux vous dire quand même que les klaxons, on les entend déjà aujourd'hui. Par exemple, autour de l'hôtel communal pour prendre la rue Hennens, c'est vraiment la fanfare déjà tous les jours. Donc là... on espère vraiment de fluidifier le trafic parce que les automobilistes qui sortent de la ville, ils vont prendre chaussée d'Acte comme le tram, comme le bus. Les voitures qui entrent en ville et qui ne prennent pas les grandes rues comme l'Embermont, comme le long du canal, mais qui prennent quand même le chemin Schaerbeekois, prendront la rue Royale Sainte-Marie. Donc c'est... C'est une autre organisation, ce n'est pas un blocage. Ouais. On regarde encore une dernière fois la carte, le bout de la rue Rogier, il va également devenir à sens unique. Et puis il y a une rue qui n'est pas sur notre carte, mais qui est près de la maison communale, qui va également être mise à sens unique. Pourquoi est-ce que le bout de la rue Rogier, on le met à sens unique ? Là, on comprend bien, hein, rue Royale, oui, chaussée d'Acte, il y a deux axes, un dans chaque sens, ça semble assez logique. Oui. Ça fait deux corridors. Pour la rue Rogier, c'est quoi l'argument ? L'argument est toujours d'éviter que les voitures vont court-circuiter et qui vont encore compliquer la situation. Parce que notre point d'attention, c'est quand même Place de la Reine, d'un côté, et c'est de l'autre côté, à hauteur de la rue Rubens. Donc une fois qu'on est sur le chemin, ce sera assez fluide, mais à ces points-là, il y a par exemple toute une étude sur les feux rouges. Ah, il y a des feux rouges, chaussée d'Acte, avenue Rogier. Il y a des feux Royal Sainte-Marie, rue Rogier. Et tout ça, avec Bruxelles Mobilité, on change pour, pour que ce soit bien adapté à la nouvelle situation. Ouais. Pour les Schaerbeekois, hein, ou ceux qui passent par là, on sait que par exemple, le carrefour entre la rue Rogier et la chaussée d'Acte, il est toujours embouteillé. En tout cas, pour ceux qui sont au feu rouge, qui doivent tourner, ça sera moins le cas à l'avenir. Ça, c'est le but. Ça, c'est le but, d'avoir moins de complications au, ouais, carrefour. Et comme pour les plans Good Move à Anderlecht ou à Bruxelles de ces dernières semaines, l'idée, c'est de mettre fin au trafic de transit. C'est ça le but poursuivi ? Le décourager, certainement. En mettre fin, moi, je dirais, on a besoin, les autres mailles apaisées, Good Move, hein, on regarde Vert, on regarde les autres communes, ouais, autour, d'aussi faire le devoir. Ouais. Et Vert, Saint-Josse n'ont pas encore de plan Good Move. C'est un regret ? Absolument.
Donc vous voulez presser d'agir. J'invite vraiment tous les bourgmestres de s'y mettre, mais j'ai compris que ça se fait. Hein, mais oui. Voilà, on est fait partie des premiers cinq, une deuxième équipe donc de cinq mailles et puis 10-10. On va y arriver d'ici 2030, alors, pour tout Bruxelles. Ouais, petite précision donc pour Schaerbeek, la troisième phase du plan Good Move, donc qui concerne le quartier qu'on pourrait appeler Cage aux ours, ce sera pour le 1er décembre. Je voudrais vous interroger quand même sur le ressenti de la population. Il y a quand même beaucoup de protestations, on le voit à Bruxelles, avec le plan Good Move du Pentagone, beaucoup de protestations de la part d'automobilistes, bien sûr, de la part de nafteurs aussi, qui ne comprennent pas forcément ce qui se passe. On voit des débats animés sur les réseaux sociaux entre Bruxellois aussi. Vous ne craignez pas que ça clive la population scarbécoise entre les usagers de la mobilité douce, les usagers des transports en commun d'un côté, et ceux qui ont toujours l'habitude d'emprunter leur voiture et qui ne trouvent pas légitime qu'on les empêche de circuler. C'est un risque réel. Maintenant, tout le monde voit dans les rues que, par exemple, l'utilisation des trottinettes, des bicyclettes, se fait de plus en plus, donc il y a une réalité qui change. Ça ne peut pas concerner tout le monde. Quand on a un certain âge, quand on a des problèmes de mobilité, on ne va pas monter sur une trottinette. Oui, mais absolument pas. Mais celui qui est dans sa voiture et qui est à chaque fois surpris et par les trottinettes et par les bicyclettes, demande aussi que ce soit mieux organisé. Je vais donner l'exemple, par exemple, la rue Royale Sainte-Marie, 800 uniques, mais pour les deux roues, ce sera à gauche ou à droite parce qu'ils auront une piste cyclable. Alors une piste donc, dans chaque ça sens. Va dans chaque sens. Et donc, aussi pour un chauffeur qui est dans sa voiture, la situation sera mieux organisée et donc mieux pour cette personne aussi. Ouais. Il y aura une période de tolérance où la police va verbaliser tout de suite à Schaerbeek. Il faut verbaliser, mais je pense que même celui qui va se tromper et qui prendra quand même le sens unique dans le mauvais sens, se sentira comme un, comment on dit, comme si sur l'autoroute on prend, ouais, on s'est trompé. Un conducteur fantôme. Mais c'est oui. Une situation qu'il faut essayer d'éviter. Est-ce que vous êtes prête à revoir votre plan s'il s'avère qu'il y a des grandes difficultés? Est-ce que, par exemple, sur la première phase, donc la phase du quartier Azalée, vous avez revu, corrigé des choses après des protestations des riverains ou pas? On peut faire des adaptations, mais refaire, ouvre cette boîte de Pandore et étudier toute l'essence unique, ça ne se fera pas. Mais l'exemple, c'est un bon exemple, par exemple, avenue Azalée, on avait piste cyclable en bidirectionnel d'un côté, puis il y a eu des plaintes pour, d'ailleurs, les piétons qui sont très importants pour nous aussi. Alors, aujourd'hui, vous allez voir, c'est aussi une rue et piste cyclable à gauche et à droite. Donc, on a remédié, mais on n'a pas repensé tout le plan. Alors, je vous donne un autre exemple. Les riverains de la rue Rubens, ils ont interpellé le conseil communal, je pense que c'était à la fin du mois de juin. Ils ont compté jusqu'à 300 véhicules par heure, disent-ils. Et ils disent qu'ils sont les oubliés de ce plan Good Move et que pour eux, ça va plutôt être Bad Move. Vous pouvez faire quelque chose pour eux ou pas? Ils craignent que le trafic de transit, en l'occurrence, il passe par leur rue. Hein. Ce qui est vrai, c'est que les gens qui, vu que Chaussée d'Arc en amont, entre Bordet et Saint-Servais est toujours la situation actuelle. Alors, ces chauffeurs vont prendre le petit bout à rue Rubens pour se retrouver rue Royale Sainte-Marie. C'est la raison pour laquelle, sur ce petit bout, on vient d'ailleurs cette semaine d'installer un abord-école plus sécurisé, coloré. On va avoir des coussins berlinois. Et je sais que la donc on demande... va ralentir le trafic. Absolument. Donc on va travailler sur la qualité de cette rue parce que, effectivement, ce sera nécessaire. Alors, il nous reste deux minutes. Je voudrais qu'on évoque d'autres thématiques, Adélie Bidebir. D'abord, une affaire qui a quand même fortement secoué la commune de Schaerbeek, ce sont les accusations de Siam Adioui, c'est une échevine groune, comme vous, contre Michel De Heert, qui est un échevin défi. Elle a déposé plainte, il y a des enquêtes en cours. Est-ce qu'on peut encore travailler sereinement dans le collège? On travaille sérieusement au collège et donc le plan de mobilité en est la preuve. Maintenant, effectivement, ma collègue elle a brisé le silence, comme on dit, « verbreek de stilte ». Vous savez probablement, j'étais ministre égalité des chances avec la STIP, on a fait les campagnes « Touche pas à ma pote ». Donc pour moi, c'est un sujet très important, très sensible. – Michel De Heert se défend, hein. C'est important aussi. Il nie, donc c'est important de l'entendre.
Absolument. Et je trouve que notre bourgmestre Cécile Jodogne et notre secrétaire communal font tout ce qui est nécessaire. Tous les fonctionnaires de la commune qui sont témoins ou ont expérience négative peuvent anonymement se faire connaître. Et il y en a qui l'ont fait ? Il y en a qui l'ont fait, il y a eu d'autres plaintes. Vu que c'est anonyme et en discrétion, on en aura un retour que fin septembre. Ouais. Vous ne demandez pas le départ de Michel Deverde aujourd'hui ? Je ne suis pas dans cette position. Alors, dernière question, aussi qui concerne la commune, la friche Josapha. On sait qu'il y a un grand débat entre faut-il construire des logements ou faut-il protéger la friche ? Quel est l'avis d'Adélaïde Bitebir, Echevine, Ascarbeck ? Ben avant que j'étais en politique, j'étais dans la nature, en plus avec des responsabilités. Donc pour moi, avoir un développement de nature sur cette friche-là est absolument intéressant, important. Et on voit aussi que de plus en plus, la population bruxelloise demande des espaces. Mais on peut quand même y construire des logements, on a besoin de logements. Il y a 50 000 familles en attente de logements sociaux. Mais le logement ne doit pas se faire aux endroits naturels. Et il y a quand même déjà beaucoup. Ça veut dire pas de logement du tout sur la friche ? Ou un petit peu ? Je pense que le gouvernement est en train de négocier, de voir où, combien, comment. Merci d'avoir été avec nous, Adélaïde Bitebir. Donc, échevine de la mobilité, membre de Groen, échevine de la mobilité à Ascarbeck. Demain, c'est Inge Neven qui sera notre invitée. Le visage de la lutte contre la Covid-19 en région bruxelloise. Elle quitte la COCOM dans quelques jours. Ce sera donc l'occasion de faire un petit peu un bilan de la manière dont on a lutté contre cette maladie en région bruxelloise. Merci d'avoir été là et à demain.